chacun chez soi, à la maison. On est tous entre amis. Celui qui veut dire quelque chose, qui dit, il n'y a aucun problème. Mais bon, l'essentiel, c'est la sincérité. Vraiment de dire ce qu'on a dans le cœur. De pas jouer un jeu ou un rôle ou un truc. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Des paroles, on peut en parler. Et par contre, Hachem, il y a tellement qui parlent des paroles. Mais nous, ce qu'on veut, c'est du concret. Pour ça, c'est important de ne pas avoir peur. On souffre tous les mêmes souffrances. Il n'y a aucun problème d'en parler vraiment. Moi j'aurais poussé plus, j'aurais dit toi aussi t'es marié avec une Algérienne. Ouais, donc avant le cours on avait dit juste un petit truc comme ça pour attendre les gens. On parlait au sujet de la Neshama, notre Neshama à nous. Qu'est-ce qui se passe quand on dort? Donc, quand on dort, on est, on va dire, un dixième de mort, comme ça il y a écrit. Ça veut dire quoi qu'on est mort? Ça veut dire que la Neshama elle monte en haut et on l'a fait promener dans le ciel, dans des endroits très très spéciaux, dans des endroits où les tzadikim qui nous font percevoir et connaître, et on peut dire aussi voir à Kadosh Baruch Hu. Maintenant ça dépend de la personne, ce qu'il fait pendant la journée, ce qu'il a fait, s'il a fait une très très grande mitzvah. Alors on l'amène promener dans des endroits très très spéciaux, très 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 spéciaux. Et pour un peu comprendre ça, il y a une histoire qu'on raconte, c'est une histoire qui est connue. Le Arizal, un jour, il dormait le Shabbat. Donc c'est de lui qu'on apprend que c'est important de dormir le Shabbat. D'ailleurs, Shabbat, c'est des rachetés votes. Sha'a de Shabbat, Tishan. Une heure pendant Shabbat, il dormira. C'est ça, les rachetés votes de Shabbat. C'est le Arizal qui a découvert ça. Pourquoi? Parce que pendant Shabbat, il y a un rang dans le ciel des cours très spéciales, des très très grands tzadikim, de tous les plus grands tzadikim. Et c'est important que notre Neshama, à nous, elle puisse profiter de ces cours-là, de cette importance-là. Ouais, ouais. Je crois qu'on n'a pas compris. En vérité, une heure, Shabbat, tu dormiras, ça veut dire une heure pendant les 24 heures. Il y avait des gens, il y avait aussi des gens comme ça, mais normalement c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, pendant Shabbat, c'est important de dormir. Pourquoi? Parce que c'est important de kiffer Shabbat. C'est une mitzvah. Vekarata la Shabbat oneg. Shabbat, tu appelleras un kiff. Shabbat, c'est important de kiffer. C'est pour ça que c'est important d'acheter du manger que tu aimes, ou alors de te faire quelque chose, de t'habiller beau, de kiffer. C'est important, Shabbat, de kiffer, c'est important. C'est une mitzvah de l'oralita. Mais voilà, on est pris par le temps. Même si, ouais, on est pris par le temps. Le souci, c'est que tu mets la tête 5 minutes, tu travailles à la sortie. C'est ça aussi, c'est un petit problème, c'est vrai. Mais viens, on va essayer de regarder les bonnes choses. D'ailleurs, c'est ce cours que je voudrais vous empêcher de parler. Mais avant ça, d'abord, on était en train de raconter l'histoire. Donc là, Rizal, lui, dormait 2-3 heures Shabbat. Mais lui, il dormait 2-3 heures Shabbat parce que lui, quand il montait dans le ciel, il entendait des torotes de tous les plus grands tzadikim. Donc lui, son sommeil, c'était pas notre sommeil à nous. Nous, on dort, on est comme des morts. Lui, quand il dormait, c'est là où il commençait à vivre. Parce que sa Neshama, elle montait en haut, et lui, il était plus attaché à sa Neshama qu'à son corps. Donc, pour vous raconter l'histoire, donc le Arizal, quand il dormait, il est monté en haut dans le ciel, et son élève, Rabbi Chaim Vital, il a vu que le Arizal, quand il était en train de dormir, sa bouche parlait. Alors, le Rabbi Chaim Vital, il a vu que sa bouche parlait, il a dit, je vais entendre ce qu'il dit. Alors il a mis son oreille comme ça à côté du Arizal pour entendre ce qu'il parlait en plein milieu de dormir. Et d'un coup, le Arizal il s'est réveillé. Alors Rabbi Chaim Vital, vite, il a eu peur, peut-être c'est à cause de moi, le Arizal il s'est réveillé. Et le Arizal il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, écoute, mon maître, je t'ai vu, tu dormais et ta bouche parlait, donc je voulais entendre ce que tu disais en train de dormir. Alors il lui dit, si il faut que je t'explique ce que j'ai appris dans le ciel, il me faut 80 ans d'introduction pour t'expliquer qu'est-ce que j'ai appris dans le ciel. 80 ans. Donc imaginez-vous, c'était quoi la Neshama en haut dans le ciel? Qu'est-ce qu'elle apprenait quand elle montait en dans le ciel? Donc c'est pour ça, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe avec notre Neshama quand on monte dans le ciel. Mais maintenant, il y a un autre problème. Et ce problème-là, c'est quoi?
Et ça, c'est Rabbi Nachman qui nous l'explique dans le livre de Témoignages, il nous dit comme ça. Il nous dit que quand la Neshama, elle revient dans le corps, quand on se réveille, ça veut dire la Neshama, elle vient, elle s'approche du corps, et d'un coup, elle sent les odeurs de notre corps. Ça veut dire quoi, les odeurs de notre corps? Nous, on a un problème, malheureusement, c'est que nous, on aime ce monde. On aime trop ce monde. On aime ce monde même plus que ce qu'il faut. On a des désirs, on a des plaisirs, des choses qui sont des fois même assourdes, des fois que... Et des choses même qui ne sont pas assourdes, mais que c'est pas bien de désirer des désirs dans ce monde-ci. Parce que quand on a des désirs, on est attaché à ce monde, alors on a dit que ce monde-ci, c'est un monde qui est de passage. On n'est pas, c'est pas un monde où on est incrusté à l'éternité. C'est un monde qui est juste de passage. Donc si tu vas t'incruster dans ce monde de passage, tu as raté le film. Le film, c'est exactement après. Là, c'est juste quelque chose qui est ta fin. C'est quelque chose qui c'est du va et du vient. L'essentiel, c'est ce qui va se passer après. Quand on s'incruste dans le va et le vient, alors on n'a rien gagné. Alors l'aneshama, quand elle s'approche du corps, l'aneshama, elle sent que le corps, elle n'a aucun lien avec ce que l'aneshama, elle veut dire au corps. Alors l'aneshama, elle ne veut pas faire profiter le corps. Elle veut pas que nous, on profite. Pourquoi? Parce que si elle va nous expliquer ce qu'on a vu, il ne va rien comprendre. C'est comme par exemple, on va parler d'un très très grand plaisir à quelqu'un qui ne sait pas du tout de quoi on parle. Comme par exemple, on va... La dame prout d'un Ashkenaz. Exactement, il va te dire, mais c'est horrible. Ou alors l'inverse, le kéfir des fiches, un thune. Il va te dire, mais t'es fou, mais du poisson sucré, mais vous êtes dingue. Et c'est exactement pareil, t'as bien dit le... Et c'est ça en fait, ça veut dire qu'il a déjà vécu. Exactement. Et la Neshama, donc, elle se dit, mais qu'est-ce que je vais lui parler au corps de ce que j'ai vécu moi? Mais il n'y a aucun cachet, il n'y a aucun lien. À quoi ça sert? Et à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la Neshama et le corps, ils ont comme un problème. Ça, c'est le plus, ça, c'est le minus. Il ne veut pas être attaché au corps. Et c'est pour cela que des fois, on se sent qu'on est complètement loin. On sent qu'on n'a pas de lien avec Hachem, on sent qu'on n'a pas de lien avec les choses importantes de la Torah. Et ça, celui qui regarde vraiment approfondissement ce problème-là, c'est le plus grand problème de tous les problèmes. Imaginez-vous quelqu'un qui fait Shabbat, ou alors qui met les tefillin, ou alors qu'on l'amène, par exemple, dans un kever, dans un tzadik, ou alors qu'on l'amène quelque part, et le mec, il sent rien. Et pas qu'il sent rien, même il dit, vite, vite, viens, on se débarrasse. Comme ce qui se passe avec nous tous, quand on doit prier en plein milieu de la journée, on se dit, bon, allez, on n'a pas le temps, il faut vite bâcler la prière, et on n'a pas le temps. Ça, c'est un des plus grands problèmes immenses. Imaginez-vous, Chas v'Shalom, il y a un père qui a un lien avec son fils, et que le père et le fils, ils ont un petit problème ensemble, et que le père et le fils, ils n'ont aucun lien ensemble. C'est énorme, c'est horrible. C'est vraiment, ça fait du mal, ça fait un trou dans le cœur. Et bien, imaginez-vous que ce problème-là, on a le même problème avec la Kadosh Baruch Hu, malheureusement. Malheureusement, on a nos volontés, nos désirs, nos plaisirs, ils sont complètement à l'inverse de ce que Akadosh Baruch Hu, il veut que nous, on a vraiment nos vrais plaisirs et nos vrais désirs qu'on doit vraiment ressentir. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il a un trésor. Et là, on n'a pas toutes nos têtes là, dans ce monde-là aussi. Ça aussi, c'est un problème. Hein? C'est vrai. Et c'est pour cela aussi qu'on va moins galérer en haut dans le ciel, dans le Gan Eden. Non, c'est vrai, parce que ça, c'est vrai qu'il faut le dire. C'est pas comme. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rabbins qui disent qu'on va galérer complètement dans le ciel, dans le pays nord. Il faut savoir que. Non, ça. Non, je sais. Ça donne pas envie de faire, tu vois. Ouais. Ah. Il a posé une question, une très bonne question. Il a dit en fait, on voit qu'il y a plusieurs sortes de Torah dans le monde. Il y a des gens qui vont te dire la joie qu'il y a dans la Torah. Il y a des gens qui vont te faire peur. Il y a des gens qui vont te faire montrer l'amour qu'il y a dans la Torah. Chacun avec son truc, c'est quoi ça, Alors, c'est une très bonne question. Et on va répondre à ça. Rabbi Nachman de Breslev, il a raconté une parabole énorme. Et il faut bien bien se rappeler de cette parabole, c'est important. Un jour, il y avait un roi. Ce roi-là, il avait un fils. Et il a vu que son fils, il a des qualités et des capacités superbes pour être un sage énorme. Alors il a dit, mon fils, écoute, ici, là où on habite, tu ne pourras pas être un sage comme il faut. Je vais t'envoyer à Londres, je vais t'envoyer en France, je vais t'envoyer en Espagne. Là-bas, tu vas apprendre toutes les sagesses les plus grandes qui puissent exister. Et après, tu vas te compléter, tu vas,
Tu vas être le sage le plus grand, tu vas revenir à la maison. Comme ça, tu pourras être un roi après que tu vas me succéder et tu vas être un roi sage et important. Alors le fils, il a dit, aucun problème, mon père, tu me dis là où j'y vais, j'y vais. Il a dit d'accord, il lui a pris son billet, il a commencé à partir. Avant, c'était des bateaux, il est parti comme ça des années, il est parti là, à droite et à gauche, en Autriche, en Espagne, en France, il a appris toutes les plus grandes sagesses qui puissent exister au monde. Et après des années, il a envoyé une lettre à son père, il a dit à son père, papa, ça y est, j'ai terminé, je reviens à la maison. Son père, il était hyper content. Il a dit, donne-moi la date exacte quand tu vas arriver à la maison. Il a dit, ok, voilà, c'est la date exacte. Son père, il a fait un festin énorme. Et en plus de ça, son père, il a envoyé des invitations à tous les plus grands sages qu'il connaissait de la région. Et c'était tous des très, très, très grands sages. Et voilà, tous ces sages-là, ils sont venus, ils ont mangé dans le festin, ils attendaient que le fils du roi, il arrive. D'un coup, le fils du roi, il arrivait, son père, il était super content. Il a dit, regardez, mon fils, il l'a envoyé à droite et à gauche. Ça fait des années qu'il est parti, maintenant, il connaît toutes les sagesses du monde. Ouais, il a tout fait. Et maintenant, il a dit à son père, après qu'ils ont mangé le festin et tout, son père, il s'est levé et il a dit, maintenant, mon fils, je veux que tu fasses montrer ce que tu as appris pendant des années et des années. Fais montrer, voilà, il y a ici plein de sages. Je veux que même les sages, ils disent comme toi, c'est quoi le plus grand. Alors son fils, il a dit, il n'y a aucun problème. Son fils est parti dans sa chambre et il est revenu avec un lustre. Il a mis le lustre en plein milieu de la table. Il a dit, maintenant, je veux que tous les sages me disent exactement ce qu'ils voient dans ce lustre. Ce lustre a été fait avec une sagesse très spéciale. Je veux voir si les sages, ils comprennent c'est quoi la sagesse qu'il y a dans ce lustre. Alors tous les sages, ils s'assoient comme ça, ils regardent. Et chacun, il dit quelque chose que l'autre ne dit pas. Un, il dit, je vois que ce lustre, il est comme ça, et comme ça, et comme ça. Un autre sage, il dit, non, pas du tout. Moi, je vois comme ça, et comme ça, et comme ça. Et chacun de tous les sages, ils disent une autre sagesse qu'il y a dans ce lustre. Alors le fils du roi, il dit, c'est tout. Putain, vous voyez, 15 ans, 20 ans, t'es sorti de la maison, ce que tu m'apportes, c'est un lustre. Et en plus de ça, c'est que tous les sages, ils trouvent quelque chose que quelqu'un d'autre ne trouve pas, mais c'est ça ta sagesse. Il a dit, le fils du roi, à son père, il a dit, mon père, tu comprends pas jusqu'à où ma sagesse est descendue. Tu sais ce que j'ai fait, en fait, en te montrant ce lustre, en te montrant ce que les sages ont dit sur ce lustre, en fait, j'ai fait montrer tous les défauts que ces sages ne savent pas. Un lustre, normalement, un homme qui voit un lustre, il dit exactement ce qu'il voit. Mais tu as vu que tous les sages, ils ont dit quelque chose d'autre. Et c'était quoi, en fait? C'est que ce sage-là, quand il voit ce lustre, il le voit de ce côté-là. Il y a un autre sage qui voit d'un autre côté. Alors, il dit que le côté qu'il voit. Lui, il donne le côté droit, lui, il donne le côté gauche, lui, il donne le côté est, ouest. Il dit, mais moi, maintenant, je vais t'apprendre, je vais te faire montrer à tous les sages, c'est quoi la vraie sagesse qu'il y a dans ce lustre. Et qu'est-ce qu'il a fait, le sage? Il s'est mis au-dessus de lustre, il a dit, maintenant, je vois toutes les facettes. Il a dit, maintenant, levez-vous, tous les sages, et regardez d'en haut comment ce lustre est. Et quand ils se sont levés, ils ont vu d'en haut le lustre, comment il était, ils ont vu que vraiment, tout le monde voyait toutes les facettes de tout le monde. Il a dit, maintenant, tu as compris, mon père, j'ai fait montrer, en fait, tous les défauts qu'ils ont, tous ces sages. Ils ne voyaient pas toute la photo, ils voyaient juste un petit peu du puzzle. C'est comme un puzzle. Je vois la moitié de la photo, lui il voit l'autre moitié de la photo. Moi, je vois toute la photo. C'est exact, ça répond à ta réponse. Il y a beaucoup de tzadikim qui sont venus dans le monde et qui sont venus dans le monde pour réparer une partie spéciale de la Torah. Pourquoi? Parce que dans l'autre Gilgul, ils ont complété leur partie. Maintenant, ils sont venus dans un Gilgul pour compléter leur dernière partie. Et c'est ça qu'ils ont donné à tout le peuple juif. Cette partie-là. Alors, il y a quelqu'un qui donne la partie qui fait peur. Il vient, il fait peur aux gens, ils disent sachez qu'il y a le Gehinnom, et celui qui fait ça, il fait ça, et celui qui fait ça, il va brûler comme ça des tant d'années, et quelqu'un qui fait ça, il va revenir dans une bête, dans une. Avant la chassidoute. Ça, c'était avant la chassidoute. Exactement. Mais ça veut dire, en fait, tout ça, ça s'est passé parce qu'il y a plusieurs tzadikim qui donnent leur facette à eux. Maintenant, il y a un tzadik, c'est lui le sage le plus grand. Et qu'est-ce qu'il fait ce tzadik? Il dit, mais mes amis, moi je vais vous donner la racine de tout. Regardez les choses d'en haut. C'est comme dans l'armée. Dans l'armée, il y a le tankiste,
il y a celui qui va à pied, il y a celui qui tire d'en haut, il y a celui qui écoute les codes. Il y a chacun. Et il y a aussi le plus haut grade, c'est celui qui est dans l'air. Il est dans les avions, il voit tout d'en haut. Il dit cette partie, il faut la raser. Et ta, il rase tout. C'est les gens qui sont tout en haut. Et c'est ça là que la chassidoute est venue faire dans le monde. La chassidoute, elle est venue faire dans le monde quoi? Elle nous fait montrer la racine de tout. Elle nous fait montrer toute la photo, pas devant toi, pas en 3D, mais en dessus, d'en haut. Tu vois toute la photo d'en haut, comment ça marche. Et là, c'est pour ça, là, il n'y a pas un côté qui fait peur, un côté qui fait marrer, un côté qui fait l'amour, un côté qui fait... Il n'y a pas, c'est tout ensemble, c'est une harmonie ensemble. Vous savez, une musique, comment ça marche la musique? La musique, si ça serait qu'un son qui est droit, c'est un son. C'est rien du tout, ça ne s'appelle pas une musique, ça s'appelle un son. La musique, elle est composée de montée et de descente. De montée et de descente. Plus la descente, elle est descente, plus la montée, elle va monter encore plus haut. Plus elle descend, plus elle monte encore plus haut. Et plus ça descend, plus la musique, elle devient encore plus belle et encore plus belle. Et plus il y a d'instruments, plus ça devient encore génial. Ça, c'est ça en fait la racine. La racine, c'est quoi? C'est qu'il nous fait faire apprendre qu'en fait, nous tous, on est des instruments. On est tous des instruments. Dans notre vie, il se passe des problèmes que des fois on descend, des fois on remonte. Des fois on descend, des fois on remonte. Maintenant, nous, on ne voit pas la photo comme le grand sage, comme le fils du roi. On voit la photo juste d'un seul endroit, exactement. Une seule direction. Et nous, quand il se passe une descente, on perd les pédales. Et on commence à râler, et on commence à faire ça, et à dire peut-être pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est parce qu'on ne voit pas la photo d'en haut. On ne comprend pas qu'en fait, une musique est composée de montée et de descente. Ça veut dire une personne qui arrive à s'attraper en main, il arrive à ne pas s'affoler quand il y a une descente, et de ne pas s'affoler aussi quand il y a une montée. Parce qu'il y a des fois, quand ils ont des montées, on s'emballe complètement, on s'oublie complètement. Quand par exemple... On s'emballe plus dans la descente. Non, 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 c'est pour ça, il faut savoir qu'en fait, c'est dans les deux sens. C'est pas que dans les descentes, c'est aussi dans la montée, comme tu as dit. Imagine-toi, tu gagnes le loto, tu perds les pédales. Ah, c'est lui, c'est pas moi. Je parlais de lui. Imagine-toi quelqu'un qui gagne $1 million. D'un coup, il change, sa personnalité change complètement. Ouais, il ouais. Commence à penser ouais, encore. C'est mal là, doucement. Ouais, c'est comme ça. Non, c'est vrai, il a changé. C'est pour ça. Il a changé. Il a changé. Ça dépend du temps de la descente et de la montée aussi. Hein. Du temps de la descente et de la montée. Ça dure longtemps la descente. C'est un ancien Polydor. Lui. C'est le Gilgoud de Polydor. Alors voilà. Alors maintenant, il faut que vous sachiez quelque chose au sujet des descentes et des montées. Ça fait rien. On ne parle pas du cours du sujet, mais ça fait rien. Mais c'est très important ces questions. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit tout ce monde-ci, il ressemble à un pont très étroit. Et il a dit à Rabbi Nachman, l'essentiel, quand tu vas marcher dans ce pont, c'est de ne pas avoir peur.
Alors pour te répondre à toi, t'as dit qu'on a toujours peur. Et que en fait c'est les tzadikim. Alors ça c'est une bonne question. Je vais te dire pourquoi. Parce que tout ce qu'on parle, tout ce qu'on va parler aussi de Bezrat Hashem dans les cours prochains et dans ce qu'on a parlé déjà, et ce qu'on va parler maintenant, c'est pas des bobards. C'est me dire ce que je vais dire, c'est pas pour les tzadikim. Si c'est pour les tzadikim, il n'y a rien à faire. C'est dommage pour le temps, on perd du temps. Ce qu'on parle, c'est pour l'instant, c'est du tarfless, c'est tout de suite, c'est pour nous tous, c'est pas pour les tzadikim. C'est pas pour les tzadikim. Rabbi Nachman de Breslev, il est venu dans le monde, il nous a donné des conseils. Et ces conseils-là, ça nous aide au yom yom. Si ces conseils, ça serait des conseils pour des tzadikim, chas v'shalom, on n'a pas besoin de Rabbi Nachman. On n'a pas besoin. Rabbi Nachman, il est venu pour nous, pour des gens qui sont complètement remplis de plaies. On est complètement remplis de problèmes. Ah, il nous aime. Bien sûr. Tu nous connais. Hein. Non, mais c'est moi. Non, mais c'est moi. Tu le vois aussi qui nous connaissait. Rabbi, il y a du boulot. Hein. On a besoin juste de mettre du bois. Voilà. Alors maintenant pour te répondre. Alors, en vérité, on me pose une question. Et c'est une question que. On pose une question et que tout le monde pose cette question. Pourquoi Rabbi Nachman de Breslev il a dit de ne pas avoir peur? Ça veut dire quoi de ne pas avoir peur? Si tu me dis que le pont il est très étroit, dis-moi marche bien, dis-moi fais attention, c'est un pont très étroit, fais gaffe s'il y a des trous, fais gaffe de ne pas tomber. Non, il te dit ne tombe pas, n'aie pas peur. Pourquoi il te dit n'aie pas peur? Tu sais pourquoi? Et je ne sais pas si je peux dire ça, mais on va le dire quand même. D'accord, entre amis, on va le dire quand même. Parce qu'en vérité, c'est impossible que tu ne tombes pas. Avec un pont très étroit, tu es obligé de tomber. C'est pour ça qu'il te dit, Rabbi Nachman, moi je ne parle pas de la descente. Moi je te dis un seul conseil. Quand tu vas descendre, n'aie pas peur. Pourquoi n'aie pas peur? Parce que c'est normal que tu tombes, c'est un pont très étroit. C'est le pont le fautif, c'est pas toi, c'est le pont. Donc moi ce que je te dis maintenant, où il est ton travail à toi? Ton travail c'est quand tu es en chute, n'aie pas peur, c'est normal. On veut tous être des gens bien, on veut avoir un lien avec Rabbi Nachman, avec Rabbi Noir, avec Akadosh Baruch Hu. On appelle, c'est mon ami aussi, parce que... Mais maintenant, il faut commencer à savoir une chose. Oui. Amen. Quand ça nous arrive de reculer, on dit que c'est pour mieux avancer après. Si tu veux avancer après, mais c'est toi qui voulais aller dans le. Si tu as envie d'avancer après, il y a un problème. Je pose une question, mais attends deux secondes. Non, mais non. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Il est pas bien, pas comme ça. J'en peux plus comprendre. On parle pas de la peur de. Parce que des fois on dit qu'on ne doit pas rétracter, on doit stagner déjà, c'est pas bien. Mais rétracter c'est encore pire. On doit toujours avancer. Mais si on veut t'aller pas peur. C'est ça que tu parles de la descente depuis tout à l'heure ou pas? Tu peux te dire ça. Moi je te dis dès maintenant, n'aie pas peur. La descente elle fait partie de la montée. Tu peux pas monter sans descendre. Je suis pas pour combien de temps la descente. Alors voilà, que tu veux. Voilà. Alors je vais t'expliquer, c'est ça. Je suis tombé des malades. Moi, je suis en train de faire des choses. Ah, c'est la ligne elle-même.
Il y en a, ils ont on pas en est la transmission. Où on en est alors? Attends, d'abord je vais. Voilà. Il va falloir répondre, on va revenir. Il a dit quoi? Excuse-moi, il a des très bonnes questions. Je crois que j'ai écrit. Deux questions, tu vois. Une bonne admiration, sa question à lui, c'est combien de temps on va attendre? Ah, il attend, il voit la gueule. Ah, je m'attaille. Il est chaud, mais Khaled. Khaled. Des bonnes nouvelles. Je vais te raconter une histoire. Ah, dans le coup de. Et cette histoire, en fait, c'est une réponse à ta question. Un jour, tu sais, les Breslev, ils ont eu beaucoup de mitnagdim. Ce n'est pas les mitnagdim, les gens qui étaient contre Breslev. Il y avait beaucoup de... L'élève de Rabbi Nachman, il a souffert des souffrances inimaginables. Il y a un livre en entier à écrire ce qu'il a souffert. Il y avait même des grands rabbinim qui ont tamponné comme quoi c'est une mitzvah de tuer Rabbi Nathan, imaginez-vous. Et les gens le cherchaient pour le tuer, imaginez-vous. Des juifs. Comment malheureusement, on a pu arriver dans ce... C'est comme ça, parce que le Yetzer Hara, il a vu la grandeur, il a dit, mais celui-là, il va envahir le monde, mais il va envahir le monde. Et bien sûr, et c'est ce qu'il a fait, le Yetzer Hara, il a eu les boules. Il a dit, celui-là, il faut le tuer vite fait, si, avant qu'il ait un problème. Un jour, il y a un des gens comme ça qui était Mitnaged, il est venu chez Rabbi Nathan, il a dit, Rabbi Nathan, qu'est-ce qui se passe si après 120 ans tu montes dans le ciel et on te dit tout ça c'est du mensonge, va au Guéhinnom. C'est ce qu'il a dit à Rabbi Nathan, une réponse qui vaut de l'or. Il a dit à Rabbi Nathan, eh ben on va m'emmener au Guéhinnom. Là-bas, je vais dire une Torah de l'écouté morale et tous les tzadikim vont descendre pour m'entendre et ça va devenir le Gan Eden. Ça veut dire quoi cette réponse? Nous, on a c'est nous-mêmes qu'on crée la vie qu'on vit. C'est-à-dire, en vérité, c'est dur à l'expliquer, mais c'est comme ça que ça marche. C'est nous-mêmes qu'on crée notre descente et notre montée. C'est juste une question dans la tête. Imagine-toi, par exemple, quelqu'un qui crève de chaud. Il a hyper chaud. S'il serait imaginé que le monde en entier il a froid et que lui il se met dans un chauffage et que en fait cette chaleur c'est parce que dehors il fait froid, alors il aurait moins chaud. Pareil pour si quelqu'un il est par exemple à Moscou et qu'il fait hyper froid et qu'il se dit dans la tête tout le monde crève de chaleur et moi je suis devant un masgan, je kiffe le masgan, il va moins souffrir. Parce qu'en fait tout est dans la tête, tout est psychologique. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, toutes les montées, toutes les descentes, c'est nous-mêmes qu'on se les crée. Et comment ça se passe? Ça se passe qu'en fait, quand on descend et quand on monte, c'est vrai que le monde et les actions qu'on fait, c'est nous. Je veux dire, quand par exemple quelqu'un il a fauté une faute très grave, c'est vrai que c'est une faute et c'est vrai que la personne est descendue en bas. Mais maintenant, ça dépend. Comment... Si t'es bête et tu sais pas que t'as fait une faute, ça se trouve t'es au top et t'es bien. Non, ça c'est encore un cas qui est encore plus grave parce qu'il sait pas. Mais maintenant, je vais te parler sur quelqu'un qui sait qu'il a fauté. Maintenant, il a deux possibilités après qu'il a fait la faute. Il a la possibilité de dire j'en ai marre, j'en peux plus. J'essaye, ça fait des années, laissez-moi tranquille, je me laisse aller. Maintenant, il y a une deuxième personne, que lui, il a un peu plus de cerveau, et il va se dire, j'ai fauté, ça fait rien. Je continue comme si que rien ne s'est passé. Comme si, et c'est à quoi ça rappelle une histoire. Il y a une histoire qui est très connue, on apprend ça même aujourd'hui dans celui qui veut être un moré, on lui raconte cette histoire-là. C'est une vraie histoire. Un jour, ils sont rentrés dans des classes en Israël. Une vraie histoire. Ils sont rentrés dans les classes et le Misra d'Atot, c'est-à-dire le bureau du Chinour, ils ont voulu voir c'est quoi le grade des enfants d'Israël. S'ils savent bien, s'ils savent moins bien dans Kita Aleph, Kita Bet, Kita Gimel. Et ils sont rentrés dans une classe et ils ont fait un contrôle à tous les enfants. Et ils ont vu c'était qui les enfants les plus intelligents et les enfants qui ne connaissaient rien du tout. Et ils ont fait un essai. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté après qu'ils ont fait le contrôle, ils ont parlé au moré, au maître, celui qui apprend aux enfants. Il a dit, tu sais, celui-là au fond là-bas, que tu croyais que jusqu'aujourd'hui c'était un bête complètement, c'est lui le plus intelligent, d'après les tests qu'on a fait. Et le moré il a dit, c'est vrai? Il a dit oui. Et c'est où ils sont partis. C'est qui les deux. Et un an après, cet enfant, le bête, le plus bête de toute la classe, c'est devenu le plus intelligent de tous. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que le moré, le mechaner, le prof, il a cru. Il a cru et il a donné plus d'importance.
Ça veut dire qu'en fait, ça n'existe pas quand un homme il dit moi je suis. Comme ça. Il n'y a pas de mauvais élèves, il y a des mauvais professeurs. Exact. Il a fait la démarche. Ça, ça aussi. Ça aussi, c'est une réflexion. Tu sais quoi mais le problème, c'est que nous, on est et l'élève et le professeur. On va l'attacher, lui. Et notre professeur à nous. Et le problème, c'est que notre professeur qui est en nous, on se juge par rapport. On se regarde comme si on est un bête. Ça veut dire quoi qu'on est un bête, c'est qu'on n'a pas assez de force d'avancer dans la voie d'attacher. On n'a pas assez de force de se rapprocher. On se dit, moi je suis comme ça, ça fait des années je suis comme ça. Je suis habitué, je suis comme ça, c'est normal. Je peux pas changer. C'est faux ça. Ça c'est la plus grande. Le Yetzirah il a gagné. Quand un homme il dit ça, le Yetzirah il a gagné. Rabbi Nachman de Breslev il a dit, la force la plus grande qu'un homme il peut faire, c'est ce que le Mashiach il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit le Mashiach? Le Mashiach il a dit, Ami Ayom Yeredetich. Vous savez que le Mashiach, il est vivant. Le Mashiach, il est vivant. Et il souffre, le pauvre. Il souffre. Il y a écrit dans la Gemara, les souffrances qu'il souffre, c'est inimaginable. Il a des lèpres et des lèpres. Tout son corps est rempli de problèmes. Et ce qu'il fait toute la journée, c'est qu'il change de sparadrap. Il change un sparadrap ici, un sparadrap là, un sparadrap. Un jour, il y avait un très très grand tzaddik au temps de la Gemara, il y a 2000 ans. Il s'appelait Rabbi Yoshua ben Levi. Il est monté dans le ciel pour voir le Mashiach. Il a dit au Mashiach, dis-moi, comment tu souffres autant? Comment tu peux supporter? Ça fait déjà 2000 ans qu'on t'attend. Ça fait 2000 ans que tu essayes de venir tous les jours et qu'on t'empêche à cause de nos péchés. Mais comment tu peux, comment tu as assez de force que tu peux souffrir autant? Qu'est-ce qu'il a dit le Mashiach? Il a dit, Ani Ayom Yeredetich. Moi, je me vois tous les jours comme si aujourd'hui je suis né de nouveau. Je ne regarde pas ce qu'il y avait avant. Le passé, pour moi, il est mort. Il n'y a rien à faire. Et c'est ça ce qu'on rappelle, il veut qu'il nous apprenne. Il nous apprenne que ce qui est passé, c'est mort. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas revenir dans le passé. Moi, ce que je regarde, c'est maintenant. Vas-y. Dès maintenant, ce qui va se passer. Ça veut dire que quand un homme, même qu'il a fauté la faute la plus grande, s'il ne regarde pas sur ça, il fait juste rabattre avec les pachetis, pardonne-moi Hachem, ça s'arrête là et maintenant il continue comme si que rien ne s'est passé et comme si que c'est moi le meilleur, comme si que c'est moi le plus grand, comme si que c'est moi le plus fort. Et de là, il commence, il va pour évaluer. Ça, c'est un homme qui ressemble au Mashiach. Un homme comme ça, c'est un tzaddik énorme. Et cette leçon-là, on doit tous l'avaler et de le laisser en nous, vraiment, de l'incruster dans notre cœur. De savoir qu'en vérité, tout se passe dans notre tête. Tout dépend de notre tête. C'est nous, dans notre tête, qu'on crée la descente et c'est nous qu'on crée la montée. C'est pas qu'il y a une descente et il y a une montée. C'est faux. C'est nous-mêmes qu'on se la crée. Comme ce que j'avais dit à Jérémy. Un jour, Abeno, il a dit, si vous mangez déjà du cochon, alors au moins que la graisse ne coule pas dans votre barbe. Ça veut dire, si déjà vous faites un péché, ne vous laissez pas aller complètement. Ok, un homme il doit faire un péché, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Il est obligé de faire ce péché. Il va le faire le péché, ok, mais au moins ne te lâche pas complètement. Au moins fais le péché avec la peur de Dieu, ou alors en sachant qu'il y a des limites. Même en faisant un péché, il y a des limites. Il y a des gens qui se font des limites, et l'essentiel c'est toujours de se faire des limites à droite et à gauche. Et c'est ça la vraie montée et la vraie descente. C'est ça, en vérité c'est nous-mêmes qu'on se le crée tout ça. C'est pas dans la descente que tu dois avoir peur, c'est quand t'es en Altefaret. Pas dans la descente, c'est quand t'es en bas déjà. Ou alors quand t'es en train de chuter, tu sais que là tu sais que. Tu vas glisser. Voilà, tu sais que t'es dans l'air, t'es en train de. Tu sais que tu vas faire des bêtises. Il te dit à Rabbi Nachman, ne t'affole pas. La première chose, ne t'affole pas. Sache, tu sais, quand quelqu'un il tombe, Ras Vechalom, s'il arrive à tomber sur ses pieds, c'est bien. C'est ce qu'il te dit, Rabbeinu. Rabbeinu dit, ne tombe pas sur ta tête, sur ton ventre, sur ton dos. Ne tombe pas, ne t'affole pas. Essaye de tomber. Si tu tombes, tombe sur tes pieds. Essaye de savoir comment tomber. C'est ça la force. Ça veut dire quoi? Apprends à tomber. Exactement. Apprends à tomber pour savoir après comment mieux remonter. Il y a un jour une histoire, je les ai racontées à Ouman, mais un jour il y a une histoire pareille. Il y avait un bracelet qui marchait comme ça. Et il y avait à côté de lui un quelqu'un qui était contre bracelet. Et ce bracelet-là, il a glissé, il s'est cassé la gueule par terre et tout ça, il était par terre comme ça. Et celui qui était à côté, celui qui était contre, il a dit, hey, tu sais, t'es tombé parce que t'as un bracelet. Alors le bracelet, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Une réponse qui vaut de l'or. Il lui a dit, je suis tombé parce que c'est mes péchés. Mais si je vais me relever, c'est parce que je suis un bracelet. Parce que c'est comme ça, c'est ça la force. C'est de savoir de se remonter. Un jour, Moshe, il nous avait dit à Ouman, une parole qui était importante. Et ça, c'est le Likutei Halakhot qui dit. Et ça, c'est une vision qui est complètement autrement de notre vision à nous.
Et là, je vais vous apprendre comment Rabbi Nachman voyait les choses. Et là, c'est quelque chose de nouveau, vraiment. Quand quelqu'un, il monte dans un ring, d'accord ? Et on va dire, il fait un combat avec une épée. Voilà, et il boxe, et ta-ta-ta, le mec, il en reçoit à droite, à gauche. Un, il reçoit, l'autre, il reçoit. Et à la fin, il y a le mec qui reçoit le uppercut, et bon, il tombe. D'accord ? Quand il tombe, nous, normalement, nous, qu'est-ce qu'on dit ? C'est qui le gagnant ? C'est celui qui reste debout et qui est prêt à combattre. Rabbi Nachman, il dit non, pour moi, c'est pas lui le gagnant. Le gagnant, c'est quand il est tombé et qu'il est prêt encore à se battre. Pour moi, c'est lui le gagnant, même si c'est lui qui a perdu. Rabbi Nachman, il dit, tant que la personne, elle attrape toujours l'épée, et que même il est par terre en train de son sang est en train de sortir, mais il est prêt, il lâche pas l'épée. Il dit, moi je suis prêt encore, mais je peux pas. Mais je suis prêt encore à combattre. C'est lui le gagnant, c'est pas l'autre. L'autre, c'est parce qu'il avait des convictions plus grandes, il avait une force plus grande. Mais le vrai gagnant, c'est un homme qui est encore très fort dans sa volonté, qui est prêt encore à combattre. Je suis prêt encore à me relever. Et encore, et ça fait rien que j'encaisse, mais je continue. Ça fait rien, je continue. Et c'est vrai que je suis tombé, c'est vrai que j'ai reçu, c'est vrai qu'il m'a gagné. Mais en vérité, le vrai gagnant, c'est celui qui est prêt encore à se lever, encore une fois, et encore de donner une droite, et encore. C'est ça le vrai gagnant. Et c'est ça qui nous apprend, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il nous dit, n'ayez pas peur. Vous croyez que le monde, comment il marche ? C'est celui qui est le vainqueur, celui qui gagne, celui qui reçoit tout l'honneur, celui qu'on lui applaudit. Mais c'est faux. Le Mashiach, il va venir sur un âne blanc. Les Chachamim, ils posent la question, mais pourquoi il va venir sur un âne blanc ? Pourquoi il ne va pas venir dans une Bentley ? Pourquoi il ne va pas venir dans une Mercedes ? Il va venir dans un âne blanc ? Parce que le Mashiach, il est très simple. Le Mashiach, il fait partie des gens qui sont tout petits. Vous savez ce qu'il a dit à Rabbi Nachman de Breslev ? Il a dit, le Mashiach, ne croyez pas que c'est quelqu'un qui est un très très grand ami de Chacham, c'est quelqu'un qui connaît tout, non. Le Mashiach, c'est qui ? C'est le petit, dans la choule, qui s'assoit au fond, qui lit les Tehillim toute la journée, c'est lui qui va couronner le Mashiach. C'est que lui. C'est pas ceux qu'ils ont eu, qu'ils ont étudié des années. C'est celui qui a combattu, celui qui a eu, il avait avec lui, etc., des combats tous les jours. Que tous les jours, il a des épreuves. Quand il marche dehors, il voit une belle femme, est-ce que je la regarde pas. C'est un homme comme ça qui va couronner le Mashiach. C'est pas un homme que toute sa vie il était gardé, il était pur. Non, ça c'est normal, ça c'est un homme normal. Merci. Ouais, c'est un homme qui combat, c'est un homme qui se salit les mains. Vous savez ce que je dis sur David Améler ? On dit sur David Améler, je vais le dire en hébreu, après je vais le dire en français. On dit sur David Améler, un jour David Améler il a dit, Yadai. Mais les hautes bedam, beshapir ou beshilia, à osek l'éther, Ishaël Bala. Un jour, Akadosh Baruch Hu est venu chez David Améler, il lui a dit, ouais, pourquoi il y a eu ça, et pourquoi cette bataille-là, tu ne l'as pas fait, et pourquoi tu n'as pas dit au peuple juif qu'il fallait faire ça, et pourquoi tu n'as pas fait ça, et tout ça. David Améler, il s'est levé, il a dit, Hachem, moi je ne suis pas comme tous les autres rois. Moi je ne m'assois pas dans mon trône avec ma super belle cape, avec une belle couronne. Moi je ne suis pas ce genre de roi. Moi je suis le genre de roi qui court toute la journée à droite, à gauche, mes mains ils sont sales. Parce que tout mon travail à moi, c'est de purifier une femme devant son mari. C'est ça mon travail à moi. Et c'est ça en fait le travail de tous les plus grands tzadikim. Il y a eu beaucoup de sortes de tzadikim. Il y a eu plein, Baruch HaShem, Dieu nous a envoyé plein de tzadikim. Mais il y a plusieurs sortes de tzadikim. Il y a des tzadikim qui vont aider ce genre de personnes-là, il y a des tzadikim qui vont aider ce genre de personnes-là. Mais il y a des tzadikim spéciales, que ces tzadikim-là, c'est quoi leur travail à eux ? C'est de purifier, de créer un lien entre nous et notre Créateur. Nous et Akadosh Baruch Hu. Ce genre de tzadik-là, c'est lui qui fait le shalom bayit entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le vrai tzadik. Ça, c'est le tzadik le plus grand. C'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, il a reçu des claques à droite et à gauche. Moshe Rabbeinu, il a souffert le martyr, le peuple juif. Il n'arrêtait pas de le contrarier, Moshe Rabbeinu, il a fait les 10 plaies, il a ouvert la mer en deux, il a fait montrer au monde comme quoi c'est nous le peuple le plus grand, le plus fort, le plus important. Et en plus de tout ça, le peuple nous a recherché, c'est des choses spéciales. Et après, Moshe Rabbeinu, il a accordé. Tout ce que le peuple juif y venait, on n'arrêtait pas de râler. Et Moshe Rabbeinu, c'est pourquoi il ne nous a pas laissé ? Moshe Rabbeinu, il aurait dû nous laisser tranquille. Laissez-moi tout seul. Moi, je vais faire mon avodat Hashem, je vais devenir un plus grand tzadik. Vous savez que si Moshe Rabbeinu, il ne serait pas avec nous, ce serait un plus grand tzadik. Ouais, mais il nous aime trop. Exactement. C'est quoi le vrai tzadik ? C'est l'amour. Le vrai tzadik, c'est quelqu'un qui est prêt à laisser même son service divin pour nous.
Exactement, Abraham Avinu. Il était en train de parler avec Hachem. Le troisième jour qu'il a fait la Brit Mila. Il a fait la Brit Mila à 99 ans. Il a fait la Brit Mila à 99 ans. Le troisième jour, le jour le plus où ça fait le plus mal. Il était en train de parler avec Hachem. Hachem, il est venu lui faire le Bikur Cholim. Abraham Avinu, c'est le chesed. Exactement. Mais quand même. Avec le chesed, Abraham Avinu, mon frère, il est pas né avec cette. Il s'est travaillé. Exactement comme toi. Alors, on le dira. Hachem, il a construit tous les êtres humains de la même façon, chacun a la même mida. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ta mida? Tu vas mettre ton argent sur la droite, tu vas mettre ton truc sur la gauche, tu vas jouer sur quoi? La droite. Et Abraham Avinu, quand il va entendre des histoires sur toi, il va dire: ouais, mais Jérémy, c'est Jérémy. Attention, hein, les rebelles, disent le pont. Maintenant, Abraham Avinu était en train, Akadosh Baruch Hu, Bichvodo ou Be'atzmo, lui-même, il est descendu pour visiter Abraham Avinu parce qu'il était malade, le pauvre. Il est venu, il est descendu. D'un coup, Abraham Avinu, il voit trois Arabes. Il dit: Hachem, excuse-moi, Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin de faire Armasa Torchim. Il laisse Akadosh Baruch Hu pour trois Arabes. C'est ça un vrai tzaddik. Un vrai tzaddik, il sait qu'il va perdre. Parce que là, il est avec Hachem. C'est le niveau le plus haut qui puisse exister. Mais il dit: moi, je suis prêt à perdre pour peut-être les faire rapprocher. Parce qu'on raconte qu'Abraham Avinu, pourquoi il faisait une arnasa tochim énorme? Vu qu'il avait une tente avec quatre portes et tout ça. Parce qu'en fait, il les faisait bichouva. Il leur parlait de Dieu, il leur disait de faire la bracha avant et après. C'est comme ça, il est rapproché en dessous à Kadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire. Un vrai tzaddik, en haut, quand il va monter dans le ciel, qu'est-ce que vous croyez qu'il va monter dans le Gan Eden? Il va kiffer sa race? C'est pas ça, un vrai tzaddik. Un vrai tzaddik, c'est pas ça. Les tzaddikim qui sont petits, oui. Les tzaddikim montent après qu'ils ont travaillé 120 ans ici, ils se sont cassés la tête, ils ont brisé des épreuves, ils ont brisé leur plaisir, leur tout le tarbot. Ils montent en haut, ils kiffent, ils voient Akadosh Baruch Hu, ils sont dans le Gan Eden. Mais les vrais tzaddikim, ils vont pas y aller kiffer dans le Gan Eden. Les vrais tzaddikim vont y aller descendre dans le Gehinnom et ils vont dire: mon ami, tu peux pas supporter le Gehinnom, monte dans le Gan Eden, moi je vais souffrir pour toi. Ça, c'est un vrai tzaddik. Les vrais tzaddikim, ils sont dans le Gehinnom, ils sont pas dans le Gan Eden, ils souffrent pour nous. Maintenant, qu'est-ce que vous croyez? Que l'essentiel, c'est qu'en haut, c'est aussi en bas, ça se passe en bas. On est ici dans ce monde-ci. Tous les jours, il dit Rabbi Nachman, le vrai Gehinnom, c'est ici dans ce monde-ci. C'est parce qu'on est dans un endroit qui pue et on s'est habitué à cette puanteur, et on kiffe la puanteur. Imaginez-vous le problème qu'on a. On kiffe la puanteur. On est dans un bain de je ne veux pas dire, mais on est dans un bain qui pue avec rempli de d'excréments, et on kiffe cette odeur, parce qu'on s'est habitué. C'est ça ce monde. Tous les désirs et les plaisirs qui nous emmènent, à perpète, je ne sais pas où. Et le tzaddik, il vient et vous dit: mais je vous en supplie. Mes amis, vous en supplie, sentez vraiment, vous ne pouvez pas ressentir cette puanteur. Mais moi, je la ressens, moi, je la connais, je la vois d'en haut. C'est pour ça que je vous dis, essayez de sortir un petit peu, montez un petit peu, essayez de sentir un tout petit peu. Vous allez voir qu'il y a des autres odeurs qui sont beaucoup meilleures. Il y a une vie, il y a une vraie vie à vivre dans ce monde. Il y a une vraie vie, il faut savoir comment la vivre. Il faut savoir comment avoir ce plaisir. En vérité, les tzaddikim, nous, on croit que les tzaddikim, ils veulent nous détacher complètement de ce monde. Mais c'est faux. C'est faux. Les tzaddikim, ils veulent qu'on vive une vraie vie. C'est tout ce qu'ils veulent. Vous savez, il y avait des lettres que les tzaddikim, ils s'envoyaient des lettres. Avant, il n'y avait pas de téléphone, alors ils s'envoyaient tous des lettres. Vous savez comment ils signaient à la fin la lettre? Ils signaient à la fin la lettre « Chaim Amitim ». Ça veut dire je te bénis que tu puisses vivre une vraie vie. Tu vois quoi? Il y a une vraie vie, une fausse vie. Eh ben ouais. Nous, on croit qu'on kiffe, on croit qu'on a des plaisirs, on croit qu'on sait ce qu'on veut, on croit qu'on sait c'est quoi nos volontés, mais c'est faux. Même dans la vraie vie matérielle,
Même dans la vraie vie matérielle, on ne sait pas. Et la preuve, on voit comment on galère, même dans la parnassa, même dans tout, on galère. Parce que même la vraie vie, on n'arrive pas à la vivre. C'est pour ça que le tzadik, il dit, si la majorité des gens, même les gens les plus riches, la majorité des gens... On a des copains. Eh ben, je vais le dire. Pas des bons amis. De ce côté, la vraie vie. C'est-à-dire, ce que mon Dieu a décidé pour toi dans ce monde, que tu le fasses comme il faut. Et que tu le sens vraiment. Tu le sens vraiment. C'est ça le cadeau, le sentir. C'est le cadeau, c'est le cadeau. De le ressentir. De vouloir monter, c'est bien. Tout le monde a envie de monter, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est tous là, mais après c'est de le ressentir, c'est ça le plus dur. C'est ça. On a envie de monter, sinon on serait pas là. Oui, dans des coups ou quand on va à Shabbat à la synagogue, Exactement. Je le ressens pas souvent. C'est ça, c'est ce que j'aime. On est né, comme t'as dit l'autre jour, un coup de sharp, il passe à côté d'une poubelle, il croit que ça sent bon. Bien sûr, c'est donc, ça. On est dans ce problème. On est là-dedans. Comment on est du jour au lendemain, on va. Faut le ressentir. Et comment on le ressent justement? Comment c'est ce qui se passe ce soir. C'est ça. Quand on essaye de parler à autre chose de ce monde-ci. Dans le Zohar, on appelle ça, je vais dire en araméen, Aïnanim de Merchassian Alaïnim. Exactement. Ce sont des voiles qui nous cachent notre vision. Donc on voit tout. En fait, on voit tout par un voile. Alors on croit que c'est la chose elle-même, mais on ne sait pas que si on enlève le voile, on va voir c'est comme exactement que tu vois un film en noir et blanc d'il y a 1974.